Maintenant, nous allons voir une autre partie. Il s'agit de bien sûr la, 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 les structures de contrôle, à savoir les conditions, comment les mettre en place et les boucles. Alors, chaque application inform informatique en général, elle doit faire appel à des structures de contrôle qui sont les conditions et les boucles. Donc, sans ça, je ne peux pas réaliser finalement une application. C'est si pour cela qu'il faut en maîtriser. Parfaitement euh, ces concepts. Jusqu'à maintenant, nous avons fait les trois premières parties. Maintenant, nous allons faire une démonstration concernant les structures de, de contrôle. Alors, l'objectif, dans un premier temps, déjà de connaître qu'est-ce que ça veut dire une condition, parce qu'il y a deux parties soit les conditions sous forme de if-else ou bien les boucles, d'accord, avec les différentes formes. On va commencer par les conditions. Et l'objectif, bien sûr, c'est de réaliser l'application suivante. D'accord Donc, il s'agit de la partie 4. C'est si pour cela que je vais aller vers euh, le code source pour créer un autre package dans lequel je vais mettre la partie 4. Donc, euh, c'est un package. Donc, tout simplement, je vais créer un package. J'utilise le, les packages juste pour organiser le code. Alors, maintenant. Bien sûr, ça, c'est le résultat de l'exercice précédent. Donc, maintenant, dans ce package-là, je vais créer encore une classe ayant le nom euh, Programme. Attendez, donc je dois bien me positionner. Voilà, je vais mettre classe et mettre Programme. D'accord Alors. Je dois, créer par, je dois commencer par la création de la méthode main pour dire que ma classe elle est exécutable. Et ensuite, voir les différentes étapes qui sont la déclaration de données, d'accord. 2 c'est initialisation de données. Trois, C'est calcul basé sur le données. Et quatre, c'est affichage des données. Donc, les données sont importantes de savoir les gérer. Donc, ça, dans un premier temps, je vais afficher un message qui est la saisie de vente. Mes données, j'ai combien de données J'ai un. Une donnée pour stocker l'ID, une donnée pour stocker la quantité, une donnée pour stocker le prix, une donnée pour stocker le total. Le total, il est ici calculé. Ensuite, j'ai une autre donnée pour la remise. Donc, la remise, ici, c'est du pouçon, mais ça, ce n'est qu'un affichage. D'accord Donc, la remise, normalement, doit être un double. D'accord Ensuite, le montant de remise, c'est combien et à payer. Donc, finalement, je me retrouve avec combien de données D'accord Je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données à payer à utiliser. Sinon, je, je peux limiter le nombre de données à utiliser en faisant des affichages, des calculs et affichages directs. Mais je préfère dans euh, ces premiers pas euh, d'utiliser de, 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 les données suffisant, suffisamment, d'accord. Donc, c'est pour cela on va déclarer toutes les données, à savoir le int quantité, double prix, d'accord, double Total, d'accord. Double remise. Ensuite, euh, pourquoi double remise Parce que je peux faire une remise de 5,5%. D'accord Le total, normalement, c'est deux types double parce que je peux mettre 500,5. La même chose pour le prix. Par contre, la quantité, je ne peux pas avoir 4,4. Sinon, si c'est le cas parfois. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas déclarer quantité en tant qu'entier, mais il faut la déclarer en tant que double. Alors Jusqu'à maintenant, j'ai quatre données. Qu'est-ce qu'il faut ensuite le montant, le montant remise, c'est-à-dire celui-là. Parce que, vous voyez, donc le montant de la remise et la remise, je l'ai déjà fait. L'ID, je ne l'ai pas encore fait. Et le total à payer, je ne l'ai pas encore fait. Donc, il reste l'ID et le total à payer. À payer. Qui fait en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tout simplement, je vais jusqu'à maintenant, j'ai 5. Qu'est-ce qu'il reste Il reste l'ID, d'accord Il reste total à payer, d'où double, double, total à payer. Je peux le, le, le nommer comme ça, d'accord À payer. Voilà, à payer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire J'ai déclaré les données. D'accord Donc, je vais faire l'initialisation. Donc, l'initialisation, d'accord Initialisation, comment faire Alors, là, il dit égale à 1, 2, 3, d'accord La quantité égale à 5, le prix égale à 5500, la remise égale à... Maintenant, la remise, même s'il y a un affichage ici sous cette forme pour cent, normalement 10%, vous allez mettre par exemple 0,1. D'accord C'est un double. Donc, je peux mettre 0,1. Et dans l'affichage, on va voir comment afficher 10% exactement. Alors, la remise, normalement, c'est 0,1. Parce que 10%, c'est exactement 0,1. Alors, le montant de remise, c'est quoi C'est un champ calculé. D'accord alors, toutes ces données-là sont initialisées par l'utilisateur. jusqu'à maintenant, on utilise en dur parce qu'on ne qu sait pas encore euh, comment euh, donner la main à l'utilisateur de saisir. d'accord. par la suite, une fois peut-être introduire le concept classe objet. à ce moment-là, on va, on peut faire appel à la, la classe scanner. Pour donner la main à l'utilisateur de faire la saisie. Alors le montant de remise ici égal à quoi Égal à la remise fois le total, d'accord Et, to Et le total normalement doit être déjà doit être déjà calculé. Donc le total égal à quoi Égal à tout simplement le prix fois la quantité, d'accord Donc ça c'est calcul. Ça c'est ça c'est deux pour initialisation. 3, je suis dans 3 pour calcul. Alors, pour faire le calcul, bien sûr, j'ai calculé le total. J'ai calculé le montant de remise. Et maintenant, je vais calculer le montant à payer. Donc, montant à payer, c'est quoi? Montant ou bien total à payer, tout à tout simplement, je l'ai appelé total à payer, égal à quoi Égal à total moins le montant de la remise. D'accord Donc, c'est ça. Donc, je fais le calcul de manière correcte. Qu'est-ce qu'il faut Il faut tout simplement afficher. Maintenant, je suis dans la partie d'affichage. D'accord Donc, affichage de, de données. Alors, pour faire l'affichage, je vais respecter la forme demandée. Donc, saisie de vente, un nom de tête. Donc, saisie de vente sixième de vente, d'accord. Ensuite, je retourne deux fois à la ligne, c'est-à-dire j'ajoute ici un anti slash n, et ensuite il y a il y a des traits, d'accord. Donc je vais tout simplement faire ceci, d'accord. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'entête. L'entête qui est tout simplement ID, anti-slash tabulation, euh, prix-quantité, quantité-prix. Donc, quantité, anti-slash tabulation, prix, anti-slash tabulation, total. D'accord Et là, je calcule les choses qu'il faut. J'affiche, bien sûr, euh, de préférence, utiliser print parce que c'est sim simple. Alors, print, je vais tout simplement faire les formatages qu'il faut. La première valeur c'est un entier donc pourcentage D espacé par tabulation la deuxième c'est encore un autre entier donc c'est pourcentage D la troisième c'est un prix à afficher donc euh, c'est un pourcentage point de f pour mettre exactement deux chiffres après la virgule et le dernier normalement c'est la même chose donc pourcentage pourcentage point de f voilà donc les valeurs ça c'est le premier argument le premier paramètre de la méthode print le deuxième paramètre il s'agit de la quantité déjà initialisée le troisième paramètre c'est le prix déjà initialisé le ou bien le premier c'est l'ID d'accord le premier c'est l'ID la deuxième c'est la quantité la, le troisième c'est le prix le quatrième c'est le champ calculé total maintenant j'ai affiché euh, la première ligne d'accord j'ai affiché ces informations je reviens à la ligne et j'affiche la remise et j'affiche le montant remise donc je reviens à la ligne si vous voulez dire d'accord tout simplement je peux mettre ça et par la suite j'affiche j'affiche la remise d'accord qui est tout simplement un pourcentage je vais utiliser le formatage d'accord pour pourcentage, point, si vous voulez dire, euh, un F, je vais mettre un seul chiffre après la avec, et je vais mettre la remise, d'accord, fois 100, fois 100, d'accord, exactement ici, je vais afficher pourcentage, pourcentage, d'accord, parce que pourquoi j'ai utilisé deux fois pourcentage, parce que déjà, pourcentage, c'est un caractère spécial, donc, si vous allez, vous allez mettre un seul pour pourcentage, je pense qu'il ne va pas s'afficher. C'est pour cela que je vais l'accompagner par la suite par un autre pourcentage. Donc ici, j'ai affiché la remise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut Et je reviens à la ligne. J'affiche la remise et je reviens à la ligne. Maintenant, il faut afficher le montant de la remise. Montant de la remise, deux chiffres après la virgule. Et. Ici, je vais mettre tout simplement mon temps remise. D'accord? La dernière chose, c'est total à payer. Total à payer. Donc, total à payer. Finalement. C'est quoi? C'est pourcentage machin et là, montant à payer. Alors, total à payer. Je l'ai appelé total à payer. Total à payer. Voilà si j'exécute. Donc je vais, il y a un problème de conversion qui est exactement dans la ligne 39. Alors pourcentage point 1 f remise fois 100. Alors attendez, je vais en fait utiliser un deuxième pourcentage. Peut-être qu'il est les sources de, de l'erreur, d'accord Non, c'est pas ça. Alors, voilà, normalement la remise a été affichée. Ce n'est pas un problème pour la remise. Alors, la ligne 40. Voilà, montant remise. Alors pourquoi montant remise, j'affiche euh, Attendez. Alors, il y a un problème dans montant remise. Il y a un problème de conversion. Le montant remise, c'est... Ah oui, très bien, très bien. C'est très bien vu, je pense. C'est Talib. Je pense. Et d'un pour le 41. 40, 41. Voilà, exactement. Très bien. Donc vous voyez que de, de petits détails euh, peuvent entraîner à ce que votre application ne fonctionne pas. Sauf dans l'entête ici, je vais ajouter un autre tabulation. D'accord, ici. Et là, vers la fin, peut-être je peux ajouter une autre, un autre retour à la ligne. Alors, maintenant pour les conditions, parce que on avait dit que pour les conditions, d'accord, je peux mettre en place des, des règles de gestion. Par exemple, si le montant, d'accord, pour les conditions, on va voir maintenant comment appliquer la condition. Alors on va préciser des règles de gestion parce que je peux ajouter trois règles, par exemple. Si le montant, si le montant est supérieur à 10 à 000, ou bien est inférieur à 10 000, alors la remise est égale à 0. D'accord? Sinon, si la remise et par exemple, je ne sais pas, inférieur ou bien supérieur ou égal à des 000 et inférieur à 20 000, à ce moment-là, je peux mettre en place une remise qui est égale à 10 D'accord Ce sont des règles. Et ainsi de suite, je peux mettre plein de conditions. Ici, on va se, se limiter à ces deux conditions. Je peux mettre une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Je peux, pour avoir finalement un ensemble de 6. Alors ici, la remise, normalement, qui est calculée, d'accord, qui est ici appliquée directement, à ce moment-là, je je, je l'initialise pas à 0,1, mais je vais l'initialiser avec 0, d'accord et je peux préciser, en fait, après le calcul de total, d'accord, je peux préciser la remise en appliquant les règles. C'est-à-dire, ces règles-là, je vais les déplacer. Voilà. En appliquant ces règles, je peux maintenant préciser exactement c'est quoi la remise. Alors, pour écrire une condition, en Java, il faut respecter des règles. Déjà savoir comment. D'accord Alors, comment écrire une condition en utilisant le mot-clé if D'accord Pour préciser qu'il s'agit d'une condition. If entre parenthèses. Entre parenthèses quoi La condition. Et la condition en général, c'est une expression. Pas toujours, mais en général. Alors, l'expression que je vais mettre ici, c'est quoi? Si le total, d'accord? Par exemple, est inférieur à des 000, tout simplement, ma remise, elle est quoi? Elle est égale à 0,1. D'accord? Ça, c'est la première condition. Donc, comment interpréter ce code? Si là, le total est inférieur à des 000, Automatiquement, la remise est 0,1. Plutôt 0, je pense. 0 dans les règles. 0. Très bien. Sinon, euh, peut-être ce n'est même pas la peine de, de, mettre en place cette condition. Pourquoi? Parce que par défaut, elle est initialisée à 0. Sinon, je la répète ici. C'est pas grave. Maintenant, la deuxième condition. D'accord? C'est quoi? Si le total est compris, c'est-à-dire il est supérieur ou égal à des 1000, et, le et en Java, je peux l'écrire de cette manière-là. Et, quoi d'autre? Et le total est inférieur à 20 000. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la remise égale à 0.1. D'accord? Donc, soit je mets des accolades, soit je ne le mets pas. C'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une seule instruction qui fait partie de bloc de if. Donc, la condition, d'accord, la condition, ou bien le, 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 le if a un bloc qui peut être composé par une seule instruction. ou bien plusieurs instructions. Dans le cas où nous avons plusieurs instructions, il faut accompagner votre bloc par des accolades de début et de fin. Dans le cas où nous avons une seule instruction, à ce moment-là, les accolades deviennent facultatives. Mais je vous conseille, en tant que débutant, pour ne pas entrer dans ce détail, essayez toujours d'utiliser les accolades. Soit il s'agit de plusieurs instructions, ou bien une seule instruction qui fait partie du bloc des blocs IF. Alors maintenant, j'ai mis en place deux conditions. La première, si le total il est inférieur à 10 000, et la deuxième, s'il est compris entre 10 000 et 20 000. Maintenant, je vais refaire l'exécution et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si vous voyez pourquoi 20 500 la remise égale à 0, donc ici il y a un problème. 10 000, 20, total 27 500. Attendez. Est-ce que j'ai calculé déjà le total Total la payer. attendez. Alors, le total, if total inférieur à 10 000, remise 0. If total supérieur égal à 10 000 est inférieur. Ah oui, parce que le total il est. Oui. Et aucune des conditions parce que le total est supérieur à ça. D'accord? Donc, si je vais, je vais juste changer le prix et le mettre, par exemple, 3000, fois 5, c'est 15 000, donc ça entre dans la condition. Vous voyez, donc j'ai appliqué la remise. Sinon, si vous allez mettre, par exemple, 10, la quantité c'est 30 000, et 30 000 ne fait pas partie de ces conditions-là. Donc, il va appliquer la valeur par défaut qui est 0. Parce que déjà, il a pris cette valeur-là, la remise égale à 0, et il ne l'a pas modifiée. Donc, sinon, c'est le rôle de else. C'est-à-dire, je vais mettre un else, la remise, c'est-à-dire dans le cas où le montant est supérieur à 20 000, je peux mettre 0,15. D'accord À ce moment-là, même si le montant dépasse 20 000, dans ce cas, il va appliquer une remise de 15